Alors sur ce modèle pour la remise en eau, alors sur certains modèles on a ce cache en plastique, c'est pas le cas de tous. On vient le tirer. En dessous, on a le manomètre ici. Là, on voit que la chaudière elle est sur le zéro, elle tombe régulièrement en panne. La petite aiguille noire, là, alors on doit toujours se situer entre 1 et 2, plutôt entre 1 et 1,5. Et pour remettre de l'eau, on va venir sur cette petite molette. Parfois, vous pouvez avoir un petit peu d'eau qui coule par ici. Tant que c'est pas énorme, c'est pas grave. Vous restez sur cette position, vous tenez, vous maintenez. Vous faites attention que ça ne monte pas trop haut, parce que si on monte à 3 bars, ça va déclencher une fuite sur la chaudière. Et il faudra appeler le technicien et changer la soupape. Et si la chaudière est en sous-pression, elle tombera en panne, quoi. Donc,